également Zero Cross et Olive, je vous présentais bah, encore une vidéo de Just Cause 3. Bah, j'en ai fait une tout à l'heure, mais vu que bah, c'est une play, donc bah, ça met beaucoup de temps à mettre une vidéo sur YouTube. Donc en fait, le titre de la vidéo, ce sera bah, je vais bah, écarteler avec quelqu'un avec les grappins, donc bah, je vais faire ça quoi, et appuyer sur L2 pour faire ça. Tordre les câbles et en fait bah, lui tenter de lui arracher les membres d'après ce qu'on m'a dit une fois. Si on met beaucoup de câbles, bah, beaucoup de grappins sur bah, sur la personne, en fait bah, on peut lui arracher les membres. Moi j'y crois pas trop, mais c'est quand même problème toi. Je crois que je vais fermer. Dis quoi toi? Mais dis quoi toi? Tu veux une grenade dans la gueule? Dégage. Comme ça coco. Si seulement je pouvais marcher. Tu restes ici. Attends, bon, on va commencer. Bon, oh, je serais chaud de lui mettre de la mettre dans. Je serais chaud de l'écarteler sous le pont. Allez, vas-y, viens. Je prends une minute, c'est pas grave. Oh merde, elle est tombée dans le coup. Allez, remonte. Remonte. Ah voilà. Ça se fait pas. Il y a trop de bateaux contre moi. Je veux faire quoi? En plus, ça fait longtemps que j'ai pu jouer, donc moi j'ai plus l'habitude.
Ah, moi je faisais des trucs de ouf et tout, mais maintenant je sais que plus, j'ai plus l'habitude de jouer. Je ferai une vidéo forcément avec aussi dans pas longtemps. Soit avec Razak 8, bah, vous connaissez je pense. Soit avec Zico. Soit avec voilà quoi. Non, c'est quoi, ça me semble que je connais. Ouais, Vice-Electra. Vice-Electra. Et Mania, elle est où? Elle est où, Mania? Elle est où, Mania? Ah, là-bas, la petite Mania. Elle est là-bas. Ok, je crois. Ça tire ou quoi? Ah oui, je vous ai dit dans la précédente vidéo qu'on va tester la formule. Vous êtes bien d'accord, ça a tiré. La formule 1, vous la trouverez sur des camions, hein. Vraiment pas beaucoup, mais je pense que vous allez la trouver plus facilement. Je sais pas exactement. Ben, en fait, vous trouvez des camions des fois garés avec une rampe derrière pour mettre des véhicules. En fait, dessus, ben, vous trouverez la formule. Donc, en fait, la formule 1, c'est celle-là. La Miguelo Farina Duo, celle-là. Donc en fait celle-là vous la trouverez sur la carte. Bah, vous avez de quoi chercher, je vous le dis, regardez. Donc en fait bah elle est sur un camion. Elle est sur un camion dans le pays. Enfin, je veux dire ça comme ça, après je sais pas exactement si c'est un pays. Exactement, tout ça là. Et je sais pas. Elle est quelque part dans l'île. Voilà, c'est ça que je voulais dire, dans l'île, donc tout là. Bah tout ça plus là et plus là. Et bah, vous allez vous chercher. Et elle se trouve sur un camion garé ici avec une plateforme derrière. Donc ben excusez-moi, on va la commander. Yeah, tu vas rentrer dedans. Je regarde le moteur. Ils sont en bas à gauche. Modification et en fait bah, de toutes les compétences qu'il y a là, bah, en fait bah, vous avez des compétences, moi je les ai pas toutes,
même si ça fait un petit moment déjà que j'ai le jeu. Donc en fait, bah, le moteur turbo, c'est pour ce que je vous ai montré là dans la précédente vidéo. En fait, je mets les bombes sur je mets les bombes sur la voiture et en fait elles explosent pas, mais en fait elles font un genre de nitro et en fait il va bouger en fait. Regardez bien, voilà. Regardez bien sur l'image de droite. Donc en fait il faut un moteur sur le. Regardez, il faut le moteur sur le capot arrière ou avant, je sais pas comme vous voulez. Et en fait voilà. Il fait avancer les véhicules tout seul, sans vous soyez dedans ou un PNJ. La sécurité, ça c'est pratique quand vous venez de commencer le jeu. C'est pas exactement voilà quoi. Donc en fait vous faites ça. Donc voilà. Regardez bien. Modification explosif. Il y a bien regardez. Il y a bien écrit ça en haut. Modification explosif. Vous allez sur la carte. Donc en fait les trucs explosifs pour vous aider à voir les modifications, c'est ça. C'est genre de les crashs. Voilà les crashs. Donc en fait il y en a partout dans la map. Hein. Et en fait vous devez avoir 5 mécanismes. Bah ici c'est pas top. Voilà. Un crash. Donc en fait c'est les modifications, c'est les trucs qu'il faut pour ça. Non pas ça. Voilà ça. Moi je regardais bien, je l'ai pas, celui-là. Pour avoir 6 explosifs, je sais pas exactement. Voilà. Donc en fait, voilà. Donc là, les stands de tir pour les armes. Donc en fait, vous devez terminer les défis stands de tir pour débloquer ces modifications. Visée précise, en fait, vous pouvez viser. Mais avant que vous avez le jeu, en fait, vous pouvez pas. Enfin, quand vous venez de commencer le jeu, vous pouvez pas viser. Vous pouvez faire ça en fait. Que tirer comme ça. Donc moi en appuyant sur R3 vu que j'ai la modification je peux viser. C'est tout bidon en fait à faire. Moi je vais aller à la cité de Diravelo. Donc je sais pas où aller. Elle est pas ici, ça je le sais. Elle est pas ici non plus. Une fois j'étais là et je dis merde, j'ai délivré toute la zone bleue. Donc tout ce qui est ceci, ceci, ceci et ceci. Et je dis merde, il reste encore quelque chose. Et là je regarde à l'eau. Ah ouais d'accord, il y a une base. Complètement dans la mer, regardez. Complètement en pleine mer, il y a une base tranquille. Voilà, tranquille, voilà quoi. Donc en fait, voilà. La cité de Diravelo, elle est pas ici. Elle est pas là non plus. Elle est pas là. Ce que je vois, il y a des ponts. Ah oui, je me souviens. À côté de la cité de Diravelo, donc une grande ville, d'après ce que je peux voir. Il y a 4 ponts. 1, 2, 3, 4. Attendez, c'est pas celui-là. Nacre, non. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Ah, voilà. C'est celui-là. La cité de Diravelo. Donc, en fait, il y a ce côté-ci. Là, il y a un tunnel. Juste là. Voilà. Après, il y a la grande ville. Moi, perso, là où je préfère aller tout le temps quand je suis là-bas. C'est ici justement, ici là juste au bord. Je sais plus si on va faire un bateau échoué, on va le faire quand même, ça sera mon goût. Comme ça je vais vous présenter pas le drap un petit peu. Oh.
Merde. Wesh. Quand même, ça vous dit? Non, ce qui fait retourner. Attends, je vais te remettre droit. Bon. Ouais. Allez, fort en fait, dans l'esprit. Allez. Voilà. Mais pourquoi il a retourné? Ah, d'accord. Il est dans. Ce que j'aimais faire aussi auparavant, c'est de prendre une fois pour se débarrasser du général et de ses guignols. Je le prends par le dos, le fous dans la flotte. J'espère que j'aurai pas. Je l'emmène dedans, mais je sais pas qui se tient en fait. Comme ça. Là, c'est pas assez profond. Là, tu peux pas te partir quand c'est pas grave. On va te laisser vivre un tout petit peu. Hop, avec lui. Tout au fond, là. Voilà, chouin, top, chouin. On va trop foutre, là. Allez, là. Pas besoin de toi, allez, foutre quoi. Donc, en fait, le problème, c'est qu'en fait, des fois, je les sens bêtes, oh, je les mets jusqu'au fond, des fois, ça peut arriver. De toute façon, le temps qu'ils sont à la surface et que je les fous dans l'eau, bah, au fond, bah, ils seront déjà morts d'ici là. Donc, voilà. Voilà. Bon bah c'était tout pour moi. C'était la fin de cette vidéo, lâche un like, ça me fera extrêmement plaisir. Ciao, bye.